Central Africa. Gabon. Tropical rainforests cover more than 85% of this country the size of Colorado. The forests of Ivindo National Park, one of the 13 national parks in Gabon, are some of the most remote and untouched in Central Africa. Elephants, gorillas, chimpanzees, leopards, buffalo, among many other animal species, live here. But this amazing world is threatened. To preserve it is a constant struggle. All the forests surrounding the park are divided into logging concessions, which facilitate access to otherwise remote areas. Forest elephant populations are increasingly endangered by poaching due to the high price and growing demand for ivory. Since 2005, WCS, the Wildlife Conservation Society, has maintained a research station at Langui Bay, a large swampy forest clearing in the southwest of the park. Many animal species visit the bay, where they can be observed and studied. Modeste Menge, director of the WCS Ivindo project. Rostand Abba, head of the Ivindo National Park for ANPN, the Gabonese Parks Agency. And Oliver Griffin, Langui Bay Research Station Manager for WCS, introduce us to their conservation efforts and describe the many challenges they face.
Le parc national de Livindo est l'un des parcs phares du réseau des parcs nationaux au Gabon, avec ses sites exceptionnels comme les chutes de Congo, comme le bail de Langoué. Mais il faut reconnaître que le parc national Livindo, en dehors des parcs de l'estuaire, est le parc qui a, dans sa zone tampon, une ville, qui a, dans sa zone tampon, les rails. En dehors des rails, il y a des gares où la population elle est cosmopolite. Et elle est nombreuse. Il y a au sud le chemin de fer avec les trois grandes gares qui sont Ivindo, Mouyabi et Milolé, qui sont des portes d'accès au sud du parc national Ivindo vers le bail de Langoué. Et sur le plan local, au niveau d'Ivindo, vous avez vu un peu la configuration du parc national Ivindo, totalement enclavé entre les concessions forestières et totalement enclavé sur des axes routiers très peuplés. Donc l'enjeu au niveau local, c'est faire de ce site, au parc national Livindo, un site durable. Cette situation fait en sorte que contrôler tous ces points rouges au niveau de par rapport au parc national de Livindo est un véritable problème. Le réel problème du parc de Livindo, c'est de tous les côtés. Donc vous voyez, il y a la route principale, la nationale. National 2, il y a la rivière Livindo qui est pratiquement un canal que les populations utilisent pour aller soit à la pêche, mais la pêche ne s'accompagne pas que des filets, mais aussi de la chasse. La population continue à faire des prélèvements qui est autorisé par la loi, mais au niveau des concessions forestières, on a eu une diminution quasiment des concessions qui étaient mal géré, sinon mal construite au départ. On se retrouve avec des groupes de concessions certifiées, dont la CB, Rougier, qui avant n'étaient pas dans ces logiques. Des groupes qui se sont retirés, tels Wacha, de tout ce qui était chinois. Donc il y a vraiment un regard porté au niveau de ces concessions vers le développement durable. Ils ne coupent plus que pour couper. Ils coupent et ils tiennent compte des limites des parcs, des animaux et tout ça. Maintenant, au niveau de CETRAC, on a eu des petits protocoles pour essayer de diminuer le transport de gibier via les chemins de fer. Il faut d'abord dire que le WCS est un partenaire historique dans le niveau de la conservation au Gabon. Donc, le WCS au niveau du parc national de Livindo occupe une place de choix. C'est mon deuxième séjour à Livindo. Le projet WCS Livindo, je le connais depuis pratiquement 2004-2003. L'enjeu de WCS sur le plan national, en ce qui concerne la conservation, on s'est lancé ce défi d'aider l'État gabonais à préserver, sinon à gérer durablement sa forêt, sa faune et sa flore.
c'est des petits diamètres. Hein. Souvent, c'est des plus gros. Le premier qui passe fait un peu le ménage, quoi. Si c'est pas bougé, c'est nous. Mon boulot, c'est vraiment coordonner le travail technique qu'ils vont produire et le travail administratif qui sera celui que je dois produire. Donc, je suis la courroie entre la direction de Libreville et tous ceux qui font sur le terrain. Donc, c'est Livindo qui se jette un peu plus bas à Logoué. Donc, c'est les dernières chutes sur Livindo. Donc, on a une série de chutes. Il y a Tchengeleledi, il y a Djidji, il y a Kongou qu'on connaît, célèbre sur Livindo. Là, c'est les dernières avant d'arriver sur Logoué. On peut faire le tronc. Hein. Il y a deux bretelles. Il y a une première bretelle qu'on a traversée. Ça, c'est une autre bretelle qui est un peu plus large. Donc, c'est Livindo. Et l'autre côté, on a Logoué. Donc, de ce côté, il y a Logoué. Vous avez le mélange des eaux de Livindo, l'eau noire, et les eaux de Logoué un peu plus bas. Tout le pont bouge, tout le pont bouge. Mais nous, on traverse, on est obligé de traverser. Parce que lorsqu'on arrive au parc national Livindo en 2005, quasiment avec toutes les activités de recherche à Langwe et tout le programme socio-éco dans les villages, il y a une remise en cause au niveau des forestiers de l'activité de coupe de bois. Donc ils commencent à regarder WSS comme un partenaire éducatif. Il peut aller dans les concessions, expliquer ce que c'est que les animaux protégés, les limites, les bassins versants et tout le reste. Et à partir de là, les décisions vont être prises au niveau local, au niveau des concessions pour dire, bon, dorénavant, nous avons des gens qui nous regardent, faisons attention. Que si WCS, qui est un partenaire de l'ANPM, l'administration gabonaise, reste seulement spectateur, pas acteur actif, spectateur, on verra que on aura l'impression qu'on a fait un coup d'épée dans l'eau. Donc on est obligé d'appuyer tant que possible l'administration dans ce sens. D'ici là, bon, on va procéder comme ça. Mm-hmm. Tu me tiens informé non seulement des informations sur les gars qui mais s'il y a des gars qui sont là. Même par personne interposée, tu peux aussi apprendre. Mais il faut véritablement qu'on mette la pression. Il n'y a pas de souci. Je m'appuie énormément sur leur expérience au niveau de la conservation en général dans le monde et au niveau du Gabon en particulier. C'est-à-dire on a autour, on a la route Makoku au vent, on a la route Makoku au Konja, on a le chemin de fer, on a des concessions autour du parc national Livindo. La gare de Mouyabi est à une quinzaine en ligne droite de kilomètres du bail de Langoué. Et connaissant le caractère mobile de l'éléphant, donc à Mouyabi, nous sommes dans une zone stratégique au niveau de la conservation de ces sites. Si on ne prend pas à bras le corps, le problème de la conservation au parc national Livindo, vous allez voir que ce sera vraiment un parc qui sera plus ou moins dans la gueule, si on peut dire ça comme ça, dans les taux de ces axes-là. Donc les deux concessions forestières, les trois, toutes les concessions autour du Livindo et les populations. Mais ici, au niveau des parcs de l'Est, j'entends Mikebe, Moanya, Livindo, les parcs du Tridon. Les populations connaissent réellement la valeur de l'or, la valeur de l'ivoire. Et ces sites sont généralement aux environs, les sites d'orpaillage, ils sont généralement aux environs des parcs nationaux. Et la chasse, la valeur de l'ivoire fait en sorte qu'il y a toujours les velléités, malgré la présence qui a augmenté des agents des parcs nationaux.
les gens ont toujours des velléités à aller faire le braconnage des éléphants pour l'ivoire. Oui, notre activité au niveau du Vindo se limite à l'appui technique, sinon la recherche. On n'est pas là pour faire les brigades de répression ou bien les missions de répression auprès des populations, mais les missions de sensibilisation, d'éducation et d'alerte au niveau de l'ANPM, c'est notre béaba, quoi. C'est notre quotidien. Lorsqu'on signale, on constate un fait qui ne rentre plus dans les logiques de conservation, on signale à l'administration, on signale aux populations parce qu'on est en même temps courroie de transmission entre l'administration et les populations. L'action des braconniers qu'on saisit, ça c'est tous les jours, c'est le quotidien. On remet à l'administration le parc national avec le conservateur et nous on continue notre travail de recherche et d'appui. Donc on alerte le conservateur, bon, nous on est dans telle zone, on constate un petit désordre à telle zone et c'est comme ça. Quoi. Il faut dire que tout a réellement démarré à la suite des informations données par l'équipe WCS qui a fait des marches de reconnaissance à la fois dans le parc et dans la zone périphérique du parc au sud. J'ai commandité une mission où moi-même j'étais présent avec mon personnel. On est parti. En sortant de cette mission, nous avions croisé un braconnier avec un double canon. Il avait des chevrotines, des balles fabriquées, qui sont fabriquées spécifiquement pour l'abattage des éléphants. Mais quand nous sortions de cette mission, le partenaire WCS nous a encore donné une information où un coup de feu a été entendu proche du bail de Langoué. Quand j'ai reçu cette info, je me suis dit que c'était une déclaration de guerre. Deux équipes suffisamment renforcées ont été mises en place, où il y avait les éco-gardes, les gendarmes du peloton armé. L'équipe était constituée de 14 personnes, dont 4 gendarmes du peloton mobile de Makoku armé, 2 gendarmes de l'Agence nationale des parcs nationaux, 6 éco-gardes. La moindre pratique illégale sur les ressources naturelles au niveau du parc national de Vindo et ses environs seront présentées devant le parquet. Même s'il s'agit qu'ils aient seulement 2 jours ou 3 jours d'emprisonnement, ils seront tous présentés. Non seulement ils seront traqués, ils seront interpellés et ils seront présentés devant les autorités compétentes pour les actes illégaux qu'ils ont posés vis-à-vis de ce point stratégique de la conservation au niveau du gardien. Au niveau du tribunal, nos procédures sont reçues avec suffisamment d'attention. Au niveau des différents services de la gendarmerie localement, nous sommes aussi très bien reçus. Les gens ont du respect pour nous et ça demande d'abord du professionnalisme de notre part. On doit montrer notre qualité, notre bonne qualité professionnelle pour que les gens nous fassent confiance. Si on fait le bilan de mes 9 ans à Ivindo, disons dans le projet WCS Ivindo, je sais que l'avenir est prometteur parce que aujourd'hui on a la recherche à Langoué qui continue. Les populations d'éléphants, de gorilles sont en train de s'accroître. Et tout ce qui a. Les chutes de Congo, par exemple, sont restées intactes. On a mené une certaine activité de médiatique auprès des ONG locales pour dire bon, c'est quand même un site qui est à conserver. Et l'État nous a compris. Le WCS fait des études scientifiques au niveau du bail de Langoué, et leur présence permanente au niveau du bail de Langoué est d'un apport considérable
pour la bonne marche du parc national de Livindo. WCS vit des financements qui ne sont pas des finances, des financements extérieurs, donc des dons. Donc déjà de ce côté, c'est si les dons continuent, c'est ces gens qui nous aident à faire ce boulot, s'ils continuent à voir positivement ce qu'on fait, je pense que déjà pour moi c'est un vœu que ça ne s'arrête pas. Si nos activités trouvent satisfaction au niveau des populations, l'intérêt des populations, qu'est-ce que WCS nous apporte? L'intérêt de l'État, qu'est-ce que WCS nous apporte? WCS est bingo. Il n'y a pas de souci.